Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thème. J'ai envie de vous parler des antioxydants parce que c'est très très important d'utiliser des antioxydants, alors soit que l'on ingère, soit que l'on utilise directement sur la peau. Donc je vais vous en dire un peu plus par rapport à ça, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'un antioxydant? C'est tout simplement une gaine protectrice au niveau des tissus, au niveau de votre peau, au niveau de votre corps, qui va jouer un rôle sur le vieillissement prématuré de votre peau et de votre corps. Et en fait, cette gaine, elle va venir se lier à l'électron instable pour l'empêcher d'attaquer les fibres de collagène et les cellules environnantes. Pour faire plus bref et plus clair, en fait, c'est le produit qui va enlever la rouille des carrosseries des voitures. C'est mieux ? Alors, où est-ce qu'on peut trouver les antioxydants ? Alors, on peut les trouver dans les boissons, dans les aliments et dans les produits cosmétiques. Nous aujourd'hui on va s'intéresser à la peau, mais il est très très important surtout d'utiliser des antioxydants, des super aliments, on appelle ça comme ça maintenant dans le commerce, les super aliments qui sont pleins d'antioxydants et qui vont vraiment agir de l'intérieur. Et ça c'est hyper important et c'est pas du tout négligeable. Et l'alimentation peut créer un vieillissement prématuré de votre peau et de votre corps avec le phénomène de glycation. Donc on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est pour vous dire qu'il est très important de faire attention à ce que l'on mange et privilégier les super aliments qui sont vraiment bourrés d'antioxydants et qui vont vous faire du bien et qui vont vous apporter vraiment une action sur votre santé à long terme et aussi à court terme. Qu'est-ce qu'ils font les antioxydants? C'est très simple. Premièrement, ils stoppent la destruction des cellules engendrées par les radicaux libres. Ils stimulent la production d'antioxydants par l'organisme lui-même. Parce que oui, notre corps possède son système de protection naturel, heureusement. Si votre corps doit faire face à un stress trop important, il va essayer justement d'aller de l'avant, mais au bout d'un moment, il ne va plus y arriver. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser des antioxydants. Je vous ai sélectionné des antioxydants qu'on peut utiliser soit en alimentation, soit en boisson, soit pour la peau directement au niveau des actifs proposés par les marques et les produits. Vous avez le thé vert qui est un très très bon antioxydant, ça on peut en consommer tous les jours en boisson ou même sur votre peau, il y a beaucoup de produits qui utilisent le thé vert. La curcumine qu'on trouve dans le curcuma, alors le curcuma si vous pouvez en mettre dans tous vos plats, vous allez-y mais gaiement parce que c'est un super antioxydant, c'est un anti-cancer. Ça agit vraiment sur les cellules, ça permet vraiment d'avoir des cellules saines, de combattre contre les cellules néfastes et contre le stress oxydatif et les radicaux libres. Vous avez également les polyphénols de raisin, de pomme, de grenade et d'olive, donc les olives ou l'huile d'olive, l'huile végétale d'olive. Les caroténoïdes sont très très bons aussi. La vitamine C, la vitamine E et les coenzymes Q10. Alors tout ça mélangé, vous pouvez les utiliser vraiment de différentes façons, soit à boire, soit à manger, soit chercher les actifs comme ça qu'on peut retrouver dans les cosmétiques. Je vous ai sélectionné quelques marques spécialisées dans les antioxydants ou qui proposent certaines gammes avec des principes actifs intéressants. Donc vous avez la marque Eneomei, anciennement appelée Men & Moi, que j'adore. Ils utilisent beaucoup la vitamine C. Vous avez Caudalie avec les polyphénols de raisin, donc Caudalie également ont pas mal de produits où vous avez des actifs comme ça qui vont apporter un antioxydant à votre peau qui est intéressant à utiliser tous les jours. La marque Dermaceutique aussi propose pas mal de produits spécialisés dans l'antioxydant. Vous avez la marque Insta Natural qu'on peut trouver sur Amazon, eux proposent aussi de la vitamine C, du rétinol, vous avez différents antioxydants intéressants aussi à utiliser au niveau de la concentration. Dr Brandt et Strivectine chez Sephora qu'on peut mettre dans cette catégorie là parce qu'ils ont certains produits comme ça qui sont bien spécialisés dans l'antioxydant, l'anti-âge. Parce qu'il faut savoir que l'antioxydant va aussi avec l'anti-âge, ça permet de lutter justement contre le temps et lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, vous l'avez compris. Pour finir, vous avez également la marque SkinCeuticals qui propose pas mal de produits antioxydants avec de la vitamine C, de l'acide férulique aussi, donc il y a vraiment une multitude de choix dans cette marque-là au niveau des antioxydants selon la sensibilité de chacun, selon la problématique, selon l'attente que vous avez de cet antioxydant-là par rapport à votre peau, par rapport à votre âge, par rapport à votre type de peau, par rapport à votre état de peau. Donc ça c'est très important aussi de savoir où on va dans les antioxydants. Il y a des antioxydants qui vont être généralistes, d'autres qui vont être beaucoup plus ciblés, donc c'est pour ça que vous avez quand même besoin de conseils par rapport à ça. Alors quels produits favoriser en cosmétique? C'est tout simple, c'est bien d'utiliser des sérums antioxydants parce qu'ils vont avoir une concentration beaucoup plus élevée qu'une crème de jour ou qu'une crème de nuit.
Si vous utilisez un sérum qui n'est pas antioxydant, bah je vous invite soit à utiliser une crème de nuit antioxydante, soit une crème de jour antioxydante, mais on va vraiment se centrer sur ces trois produits-là. Il existe des masques aussi antioxydants, mais je pense que c'est mieux de se centrer sur ces trois produits qui vont vraiment agir et être en contact avec votre peau tout au long de la journée ou tout au long de la nuit. J'ai sélectionné 6 oxydations avec ben, du coup 6 différents actifs. Comme ça, on peut s'y retrouver et ça vous permettra d'avoir une vue globale et une vue d'ensemble sur l'oxydation et sur les antioxydants. Au niveau des oxydations, vous allez avoir l'oxydation liée aux UVA et la peroxydation due au sébum. C'est très important d'utiliser des antioxydants pour lutter contre les méfaits du soleil et aussi pour lutter contre l'oxydation que crée votre sébum à la surface de votre peau. Donc pour ça, vous avez l'IDBenum. L'IDBenum, c'est tout simplement un protecteur des mitochondries au niveau des cellules, mais c'est également un analogue au coenzyme Q10. Donc vous pouvez soit vous tourner vers ceci, soit chercher où est-ce qu'on peut trouver des IDBenum comme ça. Je vous mettrai de toute façon des liens pratiques en barre d'infos pour vous y retrouver parmi toutes ces informations. Pour lutter contre les radicaux libres dus au soleil, vous avez l'extrait de gingembre qui est très très bon aussi, alors soit ingéré, soit utilisé sur la peau. Contre le stress oxydatif, rien de mieux que la vitamine C, la vitamine E et la vitamine A. Acide ascorbique, tocophérol et rétinol. Donc quand vous voyez, soit vous voyez vitamine C, vitamine E, vitamine A, soit vous voyez acide ascorbique, tocophérol ou rétinol. Petit warning au niveau du rétinol, je vous invite à utiliser le rétinol surtout la nuit et pas le jour parce que il y a quand même une sensibilité par rapport au soleil, donc il faut faire attention, c'est mieux d'utiliser le rétinol la nuit. Au niveau des toxines environnementales, vous pouvez utiliser du romarin, alors soit du romarin en huile essentielle, soit trouver des principes actifs autour du romarin dans certains produits, vous en avez surtout dans les produits bio et les produits naturels. Donc le romarin va aider contre les toxines environnementales. Au niveau interne et bien plus spécifiquement au niveau de l'alimentation et des boissons, vous avez le manganèse qui est bien dosé. Alors faites attention au niveau des concentrations, mais la plupart du temps dans la nourriture on n'en trouve pas avec des concentrations trop élevées. Vous pouvez en consommer par le biais de thé vert, les épinards, les haricots verts, les noix, les huîtres, vous en avez vraiment à peu près partout. Et elle va agir beaucoup sur le système respiratoire au niveau du cerveau, donc ça permet vraiment d'agir sur les cellules. C'est un composant qu'on trouve vraiment assez facilement, donc n'hésitez pas à manger tout ce que je viens de vous dire, à boire tout ce que je viens de vous dire et à utiliser et à consommer des produits cosmétiques que je viens de vous citer. C'est très important d'utiliser des antioxydants chaque jour, donc soit le matin, soit le soir, selon les principes actifs. C'est très important également de faire très attention au soleil, donc on allie protection et antioxydants, c'est encore mieux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment pas mal renseigné par rapport aux antioxydants sur internet, je me suis vraiment documenté, c'est hyper intéressant parce que mine de rien on passe à côté de beaucoup de choses au niveau cosmétique, donc il y a vraiment de quoi faire dans les marques que je vous ai citées ou d'autres. D'ailleurs si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que vous faites au niveau antioxydant tous les jours? Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous utilisez au niveau de la cosmétique? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je vous mets des liens en barre d'infos pour que vous ayez un peu plus d'informations, parce que j'ai essayé de faire une vidéo assez concise, mais bon, c'est un sujet assez important, assez intéressant, donc je me suis quand même pas mal étendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos en commentaire. Sachez que je suis ouvert à toute proposition, donc n'hésitez surtout pas. Gros bisous à tous, bye.